Bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui, vous l'aurez deviné, pour le premier retour de course dans cette maison. Voilà, donc ça y est, nous, on y est. J'aurais pu vous placer la vidéo de home tour machin, mais en fait, le truc, c'est que j'ai été faire les courses. Voilà. Non, plus sérieusement, c'est parce que j'ai envie de vous présenter la maison une fois qu'elle sera à peu près habitable, rangée. Parce que bah là, clairement, on vit avec des cartons. Là, je regarde par là, il y a des cartons. Là aussi. En dessous aussi, donc on va pas, voilà. Je vous donne aujourd'hui ce petit spoil de cuisine, voilà, c'est le bazar là-bas, mais on voit pas parce qu'il y a encore tout la cuisine, mais vous le verrez plus tard, promis. Là, vous pouvez juste voir, je suis sur une table. Parce que du coup, en fait, là, c'est l'arrière de la cuisine. Parce que là, tout devant, j'ai toute ma cuisine, plaque de cuisson, tout ça. Nous sommes sous un îlot, donc je vais pouvoir présenter mes vidéos comme ça. Toutes les courses sont là, en mode Maïté, t'as vu, tu le prends le poisson, tu le claques contre le sol. Non, bref, c'est pas ce que je voulais dire. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Oui, j'ai changé de maison, mais j'ai pas changé. Hein. Je suis complètement surexcitée, même si je partais gay. Je vous raconterai tout ça, promis, dans le home tour. Il y en aura un home tour, mais comme je vous dis, j'ai envie que ce soit un peu plus... Voir des cartons dans une pièce, je pense que c'est pas très intéressant pour vous, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire un petit genre c'est décoré, mais en fait tout a été poussé jusque là et puis on voit pas si on voit un bout de là de bordel, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier retour de course complet, maxi énorme, hein. Le frigo est juste là-bas. C'est histoire de... du coup j'ai été à Leclerc. Donc là, on va commencer, hein. Là on va commencer par ce qui est sec, légumes, et après je vous fais le frais. Tout en sachant que, je préfère vous dire, tout en sachant que j'ai pas acheté de viande, de tout ce qui est viande rouge, parce que je suis claire avec vous, hein, moi j'ai une entreprise, un site qui m'a contacté, mais un site de boucherie. Voilà, donc j'ai regardé, c'est pas les premiers. C'est pas les premiers, mais eux, leur fonction, leur façon de faire, quoi, leur façon de faire m'a plu. Donc, on verra. Je le reçois vendredi, j'ai pas précisé, ou peut-être que je l'ai précisé, je sais plus. On est le mercredi 20 octobre. Donc, je sais pas quand je vais poster la vidéo, parce qu'on a eu internet hier, mais le temps que je branche mon ordinateur et qu'on a bien internet en haut, on... voilà, donc on est le 20. Normalement, je les reçois vendredi 22. En fait, c'est en fonction de... Comment ? C'est des colis de viande. C'est des colis de viande. Donc, je n'ai pas acheté de bœuf parce que ben, je ne vais pas acheter plein de bœuf, faire du gâchis et tout ça. Voilà. Mais ça, de toute façon, je ne vous en parle pas tout de suite, étant donné que je ne l'ai pas testé. Je ne vous propose pas des choses si je ne les ai pas testées. On est d'accord ? Donc, moi, je vous propose les choses que les choses que j'aime. Sinon, je ne propose pas. Ah. Donc, on va commencer du coup. Par les gâteaux, tout ça, j'ai pas pris énormément de choses parce que nouvelle cuisine, nouvelle vie, nouvelle, on va dire entre guillemets, j'ai envie de cuisiner. J'ai envie de cuisiner, on est en automne, mais j'ai envie de cuisiner peut-être un peu plus sain. Non, c'est du mytho, il y a de la raclette dans le frigo, mais faut pas chercher. Mais vous allez comprendre, en fait, j'aimerais bien un petit peu plus cuisiner les gâteaux, tout ça. J'ai largement ce qu'il faut ici, donc voilà. Donc... C'est trop rigolo de vous présenter ça comme ça. Des tic-tac. La gonzesse, ça commence. Le retour de course avec des tic-tac. C'est bizarre d'être loin. J'espère que je crie pas, que vous m'entendez bien, qu'on voit bien. De toute façon, c'est le premier, on s'en fout. Donc, des tic-tac. Parce que je sais pas vous le matin, mais en fait, le matin, moi, je bois mon café, je fais ma petite toilette, tout ça, je me maquille, je me lave les dents, il n'y a pas de problème. J'ai toujours besoin d'avoir un petit truc, sinon je... Je sais pas, le matin, on dirait que j'ai des nausées matinales, mais à vie. Je ne suis absolument pas enceinte, pas du tout, c'est bon. Ah. Mais voilà, c'est tout. Je suis un peu bon, nauséeuse le matin, je sais pas pourquoi. Toujours été comme ça. Bref. Alors, ensuite, d'où le fait que je veux changer mon petit déj, je vous en parle de suite. Ouais, je vous en parle de suite. Alors, pour les pépettes, je leur ai pris ça. Des petits trucs aux cookies. Ça a trop le goût de cookies, on adore. Merveilleux. Oh, regardez, hop. Vous ne voyez plus. Oh là là, on dirait que j'ai... On dirait Mary Poppins avec son sac de bouffe, quoi. Alors, ensuite, des Golden Grams. Et pour moi,
parce que moi j'ai envie de déjeuner ça le matin. Je vais me faire sûrement. Attends, t'es où là? T'es où là? Là, ça. Là, dans ça. Je vais mettre ça. Donc, c'est les petites pétales là de céréales. Donc, je vais mélanger ça avec ça, qui est le muesli. Muesli pépite. Vous savez, avec les mini carrés de chocolat, mais vraiment le muesli, quoi. Trop bon. Et avec le muesli aux noix, c'est ça? C'est quoi? 5 fruits. T'as quoi dedans? Cranberry séché, lamelles de noix de coco, pomme en lamelles, raisin sec et chips de banane. Il y a moyen que ça, tu fais un bol, t'es calé pour la journée, je pense. Et je vais mélanger ces trois-là. J'espère que ça va passer dans lui. On dirait qu'il est tout petit, mais c'est parce qu'en fait, il est loin. En fait, il est gros. Voilà. Donc, je disais, ça, c'est pour le petit-déj. Ensuite, alors oui, c'est le clair. Comme la dernière fois, j'ai pris des copus parce qu'ils sont bons. Vous inquiétez pas. Des tartelettes à l'abricot. Des tartelettes à la fraise. Non, je raconte ma vie. Non, mais c'est... Je raconte ma vie, mais je vais vous spoiler un petit peu. Petite pause. Actuellement, j'ai la pépette qui est dans le salon, là-bas au fond. Bon, allez, mais c'est bien parce que c'est vous. Hein. 3 secondes. Hein. Ma cheminée. Voilà, vous avez vu, bande de curieux. Je disais, j'ai une pépette qui est dans le salon au fond. J'ai l'autre pépette qui est au fond du jardin, je sais pas où, quelque part en train de ramasser les feuilles. Et j'ai le chéri qui est en dessous. Oui, nous avons un sous-sol. Un sous-sol aménagé. En fait, il est en train de faire du coup sa salle de sport, tout simplement. Vous allez voir tout ce qui a changé, c'est incroyable. Donc, c'est pour ça que je regarde, parce que j'ai la petite qui court avec un... Et avec ses feuilles, bref, ça l'occupe. On continue, on reprend, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Alors, ensuite, j'ai pris deux... Je l'ai pris les deux au chocolat blanc, c'était pas forcément voulu, mais c'est pas grave, c'est bon. Voilà. Je me suis dit, ça va passer tout seul. Surtout que, là, on est le 20, on a eu internet hier. Plus d'internet, plus de télé, plus rien. On a... C'était long. Regarder un peu de télé ou de Netflix sur le téléphone, c'était un peu long. Mais bon, c'est pas grave, en ce moment, clairement, je me couche, je dors. Des fois, j'ai pas le temps de me coucher pour dormir, mais c'est pas grave. Donc, je capoute, on court partout, les horaires de l'école, parce que les petites ont repris l'école. Non, faut que j'arrête de vous parler de tout ça, faut que je vous fasse une vidéo pour vous parler de tout ça, quand même. Oh, incroyable. Donc, bref. L'école, ça s'est très bien passé, si vous voulez savoir, je vous le dis. Mais c'est complètement pas les bonnes horaires, enfin les mêmes horaires. Bref, donc, le goûter goût fraise. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos. Bref, l'autre qui sait pas faire sa pub, c'est pas grave. Donc ensuite, j'ai pris deux... Ah, il y en a deux. Donc deux tubes, deux paquets de deux tubes de lait concentré. Pour le chéri, parce que moi j'aime pas trop ça. Faudrait que je regoute, parce qu'à ce qui paraît, les goûts changent. J'ai repris les Dolce Gusto de café au lait. Ma foi, ils sont pas mal. Ils sont pas mal, ils passent bien. Et ceux-là, je sais pas, j'ai jamais goûté. Les Longo, s'en fout, numéro 6, aromatique et raffiné. Il faut que je goûte quand t'as besoin d'être un peu réveillé. Ce serait bien de temps en temps. Ensuite, j'ai pris ça parce que la pépette a droit au goûter à l'école. Est-ce que je suis floue? Est-ce que je suis... En fait, je suis pas floue, c'est juste que je suis loin. Donc, j'ai pris deux paquets de petites tartelettes comme ça. Je crois que j'en prenais. Et ma fille qui adore ma fille. Ma grande qui adore les... Comment? Le chocolat noir. Voilà. Excusez-moi, j'en avais une petite... Bref. Une étiquette de truc moins 50%, bref. Donc j'ai pris des petits chocolats noirs. Écoute,
Fais, mange. T'as bien raison. Ensuite, bah, en fait, on ne change pas d'habitude, hein. À part le petit-déj. Et la cuisine. C'est quoi ça? Des amandes. J'ai pris 2 paquets d'amandes. Comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. J'ai pris les petits gâteaux comme ça. Hop. x10. J'ai pris les petits gâteaux comme ça aussi, x10, style napolitain. En beaucoup moins cher, bien entendu. Voilà. J'ai l'impression que ma face est floue, mais que les gâteaux sont pas. Mais si je me rapproche, je ne suis pas floue. Voir, c'est mes yeux qui sont flous. Ah. Ensuite, bah, il n'y avait plus que ça. Il n'y avait plus de chips, donc des chips. Voilà. Super, merci. Des flocons d'avoine pour refaire les gâteaux à mon chéri. Vous savez, flocons d'avoine, banane écrasée, du miel. Faudrait que je rajoute du beurre de cacahuète, ça doit être bon. Bref, avec la vidéo des 3 recettes tentées, quoi. Ensuite, j'ai repris du chocolat blanc. J'ai pris du chocolat... Ça, j'ai jamais goûté celui-là. Chocolat au lait, noisette brisée. Excusez-moi, parce que j'ai lu chocolat de ménage. Je ne connaissais pas. Chocolat de ménage. Tu le manges quand t'as fait ton ménage. Oh, mon papito. Je crois que c'est du chocolat que tu manges comme ça, quoi, en gros. Appelle ça du chocolat de grosse bouffe, directement. Fais ça bien. Bon, sinon, des pains au lait. Des pains au lait, vous êtes trop loin. La prochaine fois, vous serez le plus près. Parce que c'est pas possible. Hein. Je ne peux pas gérer là. Des pains au lait. Et là, des baguettes pré-cuites. En fait, on est d'accord. Ça ne change absolument pas de d'habitude. Voilà. Et 2 paquets de pain demi complet. Ou céréales. Non, pain demi complet. Toujours. Encore. On est d'accord. Et les maxi pains que je vous en avais déjà parlé, les maxi paquets de pain de mie. Parce que du coup, j'ai fait un gros stock de croque-monsieur, c'est trop bon. Voilà. Ensuite, non, c'est bon, il est pas tombé. Non, c'est bon, il est pas tombé. Qu'est-ce que c'est? Oui, les poissons. Ouais, je me suis servi de mes chaises parce que du coup j'ai des chaises de bar. Alcoolique la mauvaise. Non, c'est parce que c'est des chaises de bar parce que c'est un îlot haut. Ça doit avoir un nom, hein. Une table haute îlot pour manger. Bref, un bar. Non, une table bar. Bref, 2 trucs comme ça. 2 bouteilles de gin. Cola, qu'on n'est pas. J'espère que c'est bon. Et j'ai pris 2 bouteilles de limonade. Et 2 packs de ciné. Hop. Ensuite. Oh, les premières. Oh, ça m'a fait trop manquer. Du coup, j'en ai pris 2 paquets. Bien entendu, la butternut, enfin, est-ce que je dois exprimer mon amour pour ce légume? Non, voilà, on est en automne. C'est d'ailleurs très dégueulasse, c'est pour ça que la luminosité est immonde. Parce que normalement, il y a un grand soleil dans cette cuisine, parce que j'ai une fenêtre, bah, vous voyez pas, mais j'ai une fenêtre là, et j'ai une baie vitrée là, parce que c'est une porte qui donne au jardin. Je ferai un room tour, promis, je ferai un home tour, vous comprendrez, c'est pas du tout le home tour, mais c'est pas grave, vous l'aurez en visuel au moins. Des bananes, voilà, des bananes, écrasées avec du chocolat d'avoine, bref. Banane. Et 3 avocats, je suis en train de chercher mon petit avocat. C'est pas grave, non c'est rien. Donc, je range tout ça, je vous sors le frais et je suis à vous tout de suite. Attendez, je vous mets en pause. Et nous revoilà. Donc, attendez, je me rhabille. Absolument pas sexy. Donc, le frais. Du coup, je continue avec les légumes. Alors,
Alors, ça, c'est pas du tout acheté, mais c'est ma belle-mère, c'était juste histoire d'eux, pour vous dire que j'ai des pommes. Ma belle-mère qui m'a donné des pommes du jardin. Si c'est pas automnal, tout ça. Puis ça sent bon. Bah, ça sent la pomme. J'ai envie de frapper. Donc, ensuite, bah, j'ai pris deux betteraves, hein, comme d'hab. Ils font pas plus gros à Leclerc, enfin, 300 grammes. Je me mange ça toute seule, moi. Ensuite, de salade, de iceberg. Parce que, ouais, il y en a, ils aiment pas le croquant blanc, là. Mais moi, on mange que ça, nous. Ensuite, en légumes. Oh, ça, mes loulous, faut que je vous en parle. J'ai acheté des champignons. Voilà, raconte ta vie. J'ai acheté des champignons, mais parce que je veux faire des omelettes et tout. Puis, ben voilà, temps d'automne, tu fais des omelettes avec champignons. Si t'aimes pas, désolé. Ma belle-sœur, petite astuce, ma belle-sœur, je sais qu'elle elle a mis... Ben vous savez, dans le champignon, là, vous enlevez la queue du champignon. La toutouille, là. Vous l'enlevez et dedans, vous mettez du... Du Haie-Finzer, enfin du fromage frais. Vous savez, le truc que j'ai pas acheté. Merci, j'aurais dû en acheter, mais c'est brave. Du fromage frais avec un peu d'Haie-Finzer, enfin bref. Vous savez, le truc à tartiner, quoi. Une tuerie, comment c'est trop bon. Vous mettez ça avec un petit peu de jambon aussi. C'est beaucoup trop bon. C'est trop bon, c'est super léger. C'est... Oh, ça se mange trop bon. Sans le faire cuire, le cru. Trop bon. Je l'ai déjà dit 4 fois, trop bon. Mais je le redis parce que c'est trop bon. Alors ensuite, j'ai repris ça au fond. Elles en voulaient des gnocchis à poêler. Est-ce que je vais te faire ça avec du jambon ou de la viande et puis une sauce à la raclette ou une sauce au maroilles? Oui. Au maroilles, ça doit être... Non, ça doit être dégueulasse. Par contre, une sauce à la raclette, là. Non. J'ai pris des yaourts. Et attention, c'est pas que des yaourts aux fruits. C'est des yaourts avec des gros morceaux. Alors moi, je veux la fraise en entier dedans. Hein. Je sais pas du tout. Faut que je voie, mais... Ils ont l'air bien, bon, je vous le dis, moi. Hein? Et j'ai pris des yaourts aux fruits pour les pépettes. Hein. Le chéri, lui, c'est toujours son fromage blanc. Toujours. Comme d'hab, on change pas les bonnes habitudes. J'ai pris deux pots et un cheveu. Ça va, c'est le mien. J'ai pris deux pots de crème fraîche légère. Attendez, on va prendre une chose sérieuse. Attendez. J'ai pris un paquet de croque émental. Pas du tout, j'en ai pris deux. J'en ai pris deux parce que j'ai pris deux gros pains. Donc, je prends deux paquets de croque émental. J'ai pris, bien entendu, enfin, faut que je précise encore ou pas. Donc, le double paquet de raclette. Hein? J'ai pris les deux maroilles. C'est des carreaux, mais on s'en fout. Le paquet de gruyère, le maxi paquet. Ça, j'avais envie de fromage, ne jamais aller aux courses quand t'as la dalle. Quand t'as du fromage. Voilà. Et c'est bon pour en fromage. Ça va. Pour l'instant. Faut juste que je retrouve mes appareils à fondu et tout merdier. Ensuite, j'ai pris deux knackis. Je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas montré la viande. Ah, j'ai pris du salami. Tout ça. Deux paquets de 6 jambons. Deux paquets, ça va tomber, non. Deux paquets de 6 dindes. Pas du tout, non. T'es droite, moi. Ouais. Deux paquets de 6 dindes. Et un paquet de lard, là. J'ai envie de ça. Avec la raclette. Ensuite, non, parce que, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas pris de bœuf, mais j'ai pris de la viande, quand même. Pas de la volaille. Je crois que c'est de la volaille. Je sais pas, la luminosité c'est de pire en pire, c'est pas grave. J'ai pris deux paquets de 1 kg de poulet et franchement, le kilo, si je dis pas de conneries, il était à 6,30€. Je trouve ça super intéressant. Enfin bref. Deux paquets de 6 trucs là, d'un kilo et 3 magrets de canard.
avec des petites pommes de terre. Oh, ça va passer tellement bien. Tu sais, je dis de façon énervée. D'ailleurs, je suis en train de me dire le poulet. Je vais voir dans le temps, je sais pas, si vous aussi vous habitez en campagne, tout ce qui est colis, est-ce que vous avez des trucs genre colis, poulet et tout? Est-ce que c'est moins cher qu'en magasin? Moi, je sais qu'ici, là où on a déménagé maintenant, on a pas du tout le livre. Un livreur, il vient, il te livre du poulet. Non, vous savez, les petits producteurs, en fait, ils font des cajots de légumes, ils font des colis de poulet, des colis de porc, des colis de bœuf. Et j'ai trop envie d'essayer parce que, bah, dans tous les cas, ça fait travailler les petits producteurs et tout, enfin, ou même les grands producteurs, mais ça nous fait... Ça fait travailler les alentours. Donc, on est d'accord, ça peut être pas mal du tout, surtout pour les petits légumes et tout. Ensuite, si, je voulais vous montrer ça. Parce que du coup, je voulais acheter la citrouille, vous savez, là. C'est beau. La super citrouille, vous savez, que tu coupes et tout. 5 euros pour une citrouille comme ça? Ça va pas, non? Oh, le clair? C'est... bah non, Jacques au long terme, là, ou je sais pas quoi. Ou 3,99€, je sais plus, il y avait une promo. Je fais quoi avec ça, moi? Je mets même pas une... Et on peut même pas la manger. Bah non, bah non. Moi, je voulais couper une citrouille, je croyais qu'on pouvait la manger. C'est marqué non comestible. Bah du coup, j'en ai acheté deux en plastique. Voilà, je voulais mettre devant ma porte, parce que là, maintenant, on a une entrée. Est-ce que je pourrais vous montrer mon entrée? Je sais pas, je verrai. On a toute une entrée avec une allée et tout, des petites lumières devant. Bref, c'est trop beau. Je vous montrerai, vous inquiétez pas. Voilà, et je vais mettre ça devant. Bon, sans les étiquettes et sans les petits trucs. Et en fait, ça sera comme des fausses lanternes. C'est... Ouais, j'ai trouvé que ça. Oui, bah au moins, ça fait Halloween. je vois toutes les youtubeuses qui sont en train de décorer pour Halloween, pour l'automne et tout. Et moi, je suis en train de faire des cartons, quoi. De défaire des cartons. Du coup, j'ai pris ça aussi. Je vais en mettre partout sur mes volets, sur mes portes. Ça brille pas mal. Ensuite, des petites dents. J'espère que je vous poste la vidéo avant Halloween, quand même, c'est le moindre des choses. Donc, des petites dents de Dracula. Mine de rien, elles sont super bonnes, ces trucs-là. Je vais essayer d'attendre. On est le 20. Il me donne vachement envie, quand même. Ensuite, c'était une promo à Leclerc, donc c'était quoi? 2 plus 1 gratuit. Donc, j'ai pris deux Dragibou. Avec les petites billes oranges, faut que je les goûte. C'est une nouveauté, ce qui paraît. Oh, j'ai failli me ramasser. Hop. Et le troisième, j'ai pris Haribo. Après Dragibou, nous avons Haribo. C'est avec des petits... je suis en train de vous agresser avec mes bonbons, là. Tiens, prends ça. Des petits bonbons en forme de bonbons. On voit rien, mais là, il y a des squelettes, quoi. Bref, des bonbons d'Halloween. Voilà. Et est-ce que je vous ai tout montré? Ah si, donc en congelé, vous savez, mes paquets imaginaires. Toi, arrête, tu gâches le truc, là. Voilà. Donc, on a j'ai pris quoi? J'ai pris des brocolis congelés. J'ai pris des choux-fleurs congelés. Faire un gratin, brocolis, choux-fleurs. Toi, mais tu sais, béchamel, gruyère, petite pute le bide. Raclette entre deux. Faut que j'arrête avec la raquette, ça va être pas possible. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? En congé? J'ai pris des colins. Vous savez les petits blocs de colins d'Alaska? Voilà. Parce que j'ai envie d'en faire. Et puis voilà, j'ai pas donné des excuses pour tout. Donc voici tout. Si j'ai pris... Attendez. Vous avez déjà vu des trucs. J'ai pris 3 briques de jus de multivitifruits. Jus d'orange. Multifruits. J'ai pris le pack de panaché, comme d'hab on en avait plus, ça manquait là. Là ça manquait, en plus on met un petit peu de grenadine dedans, c'est trop bon. Donc multifruits, grenadine, panaché. Et j'ai pris 3 boîtes d'œufs. Alors oui. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, je ne montrais plus mes œufs parce que je me suis fait incendier.
Voilà. Là, ça vous va? Les bio élevés en plein air, est-ce que c'est bon? Là, c'est bon? C'est pareil. Ça, je vais essayer de voir si dans le coin, il y a peut-être un petit producteur ou pas. Je crois que si, en plus. Donc, hein? Parce que c'est pareil. C'est un détail. On devait avoir des poules quand on est arrivé là. Bah, on est arrivé là. Voilà, il n'y avait plus les poules. Super. On a le poulailler, mais on n'a pas les poules. Donc, il faudra qu'on aille chercher les poules. Mais de là à ce qu'on ait 12 œufs, non. Il m'en faut déjà 5 minimum par jour. Voilà. Voilà. Ça vous va? Plein air, c'est bio, c'est sans OMG, machin truc. Je pense qu'ils sont bons. Ah. Donc, j'en ai pris 3 boîtes de 18. Ça va vite partir, cela. Hop, ensuite, des mouchoirs. Il y en a 2 paquets comme ça. Ça reste des mouchoirs, donc on s'en fout que ce soit Ecofus en plus. Parce que tu vois bien, tu déménages, tu te traînes un rhume. Là, voilà, voilà. Voilà. Donc là, on est en train de tous se passer un rhume. Là, ça s'entend plus, mais alors, la dernière vidéo que j'avais fait, c'était le rhume. Ou alors, ça s'entend à crever, on dirait une alcoolique. Donc... Il y en a tellement partout dans cette maison, c'est incroyable. Et bah si j'oublie des trucs, j'oublie des trucs, voilà. Donc voilà le retour de course. Comme je vous dis, je vous reprends. Normalement, je filme vendredi quand je reçois le colis. Mais je ne vais pas pouvoir la poster avant... Peut-être vous la postez dimanche. Donc quand vous regardez la vidéo, on sera peut-être dimanche. Voilà, histoire de... Parce qu'en fait, le truc, c'est que... Je vous explique vite fait... Cette maison, on a un petit peu doublé de taille. Je dis ça comme ça. Voilà, on a doublé de taille. Donc, ce qui veut dire qu'on a eu l'Internet. Mais il faut que mon ordinateur soit en Wi-Fi. Sauf que pour avoir le truc Wi-Fi, on l'a commandé sur Amazon. Mais Amazon nous l'envoie et on le reçoit samedi. Voilà, c'est fait. Parce que là, la distance, mon ordinateur ne sera plus dans le salon. Il sera à l'étage. Mais ça fait loin. Donc, voilà. Bref, c'est un truc Wi-Fi. On s'en fout un peu, je vous dis juste que vous regarderez cette vidéo peut-être dimanche. Voilà! Donc, sur ce, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai manqué quand même. Oh. Et puis, de toute façon, je vous ai mis des vidéos entre-temps. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Non, je suis en train de me dire une baguette de pain. Je vous mets les prix, ne vous inquiétez pas. Merci encore de continuer à vous abonner. C'est trop mignon. Là, ça y est, on est en plein dedans. On va commencer bientôt, là ça va être Halloween, mais on va commencer bientôt à refaire les vidéos. Enfin, je vais commencer bientôt à refaire les vidéos. J'ai trop hâte de vous montrer la maison. Là, j'essaye de la rendre un peu plus dégagée, hein, parce que là, franchement, on marche dans les cartons. Bon, ça fait que 3 jours, j'ai déjà déballé... Non, ça fait 4 jours qu'on est là, je sais plus. Ça fait 5 jours qu'on est là, ça fait 5 jours qu'on a emménagé et j'ai déballé 32 cartons. Voilà, on a déplacé tous les meubles sont dans la pièce qu'il faut, quasiment. Et on a déjà placé 2 pièces qui ne devaient pas être au bon endroit. Bref, on est en train de tout retourner là. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Voilà. Donc ça fait plaisir de vous reparler, c'est pour ça que j'ai mis 3 piches. Moi je me suis dit, de toute façon, un retour de course, si ça dure 10 minutes, c'est que je fais un retour à la semaine. Oui, je vous ai dit que je refais le retour à la semaine. Mais là, en fait, c'est le gros plein de courses. J'avais besoin de plein de gâteaux, plein de choses, ceci, cela. Mais oui, je pense que d'ici peu, je vais commencer à faire les retours à la semaine. Mais dans tous les cas, là, j'ai pas le temps d'y aller une fois par semaine aux courses. Donc, on verra plus tard. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai déjà préparé mes mains. Et donc, merci d'avoir regardé. Et salut !